Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Daphné. Bonsoir Malek. Bonsoir Kezia. Bonsoir. Comment allez-vous les filles ? Ça va bien. Ça va. Et toi ? Bah, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va ? Alors, je ne vous présente plus les chroniqueuses qu'il y a sur ce plateau parce qu'il me semble que vous les connaissez, que vous les avez si déjà vues. Présent. Ok, et ben, chroniqueuse Daphné, ici présente, notre Molière, vous voyez. Et aujourd'hui, elle va encore embellir cette émission avec ses jolis mots. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Bonsoir. Et ben, je raconte que Daphné va nous faire du bien. Amen. Voilà. Amen. Et nous avons ici Kezia NK. Est-ce que vous vous souvenez de Kezia qui avait intervenu lors d'une de nos émissions, justement ? Effectivement, oui. Et elle avait fait une intervention très pertinente. Merci, par la grâce de Dieu. Toujours, amen. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Tu es un bon canal et nous sommes bénis de amen, te recevoir une fois de plus ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et nous remercions l'apôtre Alain Patrick pour la chaîne Évangile TV, dont il est le visionnaire. Merci beaucoup, apôtre. Nous remercions également Pasteur Paulette et la directrice de la chaîne qui est Sabrina Samid. Nous te remercions, ministre Sabrina. Et nous remercions également Pasteur Grâce que nous tenons ce soir à honorer parce que, comme vous l'avez constaté, elle m'a encore prêté son joli fauteuil. Et donc, merci pour la confiance, Pasteur Grâce, et merci aux équipes qui se trouvent derrière les caméras, la régie, le make-up et le public aussi qui est là. Et puis, bah voilà. Ok, c'est ça. Merci et, à tous. Et aussi, merci. Il y a les téléspectateurs. Ah, en effet, il ne faut pas les oublier. Jamais. Sans téléspectateurs, il n'y a pas d'émission. Alors, merci pour votre contribution et merci, de nous supporter, de nous encourager. Et merci pour vos retours aussi qui nous aident à nous améliorer et à vous proposer des choses qui vous conviennent, en fait, tout c'est simplement. Ça. Voilà. Écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Oui. On a un thème qui est très intéressant. Et je crois que si tu es connecté ce soir, c'est parce que tu as besoin de clés. Alors, bien sûr, on va faire plus ou moins une liste de choses, je crois. Hein, oui. Mais c'est une liste non exhaustive. Je tiens à le préciser. Il y aura encore d'autres clés et d'autres moyens que tu pourras découvrir, notamment par le biais de la parole de Dieu, par oui. exemple. Et plein d'autres choses, mais on va en parler. On va en parler, ok ? Alors, on va parler de comment avoir un mental fort pour réussir. Mm-hmm. Comment avoir un mental fort ? Donc, moi, ma question, déjà, dans un premier temps, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut causer ce déficit mental ? En fait, quand je parle de déficit mental, c'est le fait que les gens n'aient pas un mental assez solide pour réussir, malgré qu'ils aient envie de réussir leur vie. Mmh. Alors, je sais pas, qui a une... Moi, je commencerai par un fléau qui touche notre génération, c'est le manque de confiance en soi. Ah, waouh. On peut pas commencer cette émission ou parler de mental fort sans donner, l'exemple du manque de confiance en soi. Mmh. On est dans une génération où on veut tellement faire mieux que les autres, où on voit tellement des stars, des figures un peu, qui fait qu'on a toujours envie d'être au top. Et malheureusement, on ne l'est pas tout le temps, il faut dire ce qui est. Et je pense que pas mal de jeunes et de personnes ont un manque de confiance qui, en fait, leur empêche, même lorsqu'elles s'encouragent, elles ont toujours cette voix qui leur dit « Ouais, mais t'es pas capable. Ouais, mais t'as pas les bonnes clés, tu connais pas les bonnes personnes. » Et donc ça, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour avoir un mental vraiment, vraiment fort. Il y a le fait, comme tu le dis, de vouloir faire mieux que les autres. Mais il y a aussi le fait de vouloir faire comme les autres. Ah oui. Tu vois ? Parce que du coup, il y a aussi le fait de ne pas se construire.
qui fait qu'on n'a pas un mental fort. Se construire pour s'affirmer. Je réalise et j'accepte que je suis de telle façon et c'est tout aussi bien que mon voisin qui n'est pas pareil. Le manque d'affirmation va forcément créer une faiblesse dans le mental. Et aujourd'hui, on n'apprend pas aux gens à s'affirmer, on leur apprend à se conformer. Et c'est bien la parole de Dieu qui va nous dire dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. La conformité, elle est bien dans certaines choses. Donc quand on va parler de réglementation, notamment dans le travail, je pense notamment à tous les secteurs comme la qualité qui vont s'assurer que des process sont conformes pour la réglementation, la sécurité. Mais quand on va parler de personnes, il n'est pas forcément question ici d'être la réplique identique de quelqu'un. Il faut être soi-même. Exact. Il faut oser exister en étant soi-même. Et ça, je pense que ça donne une force de caractère. Lorsqu'on va dire d'une personne qu'elle a une forte personnalité, c'est pas forcément parce que elle parle plus fort que les autres ou qu'elle a toujours raison, mais c'est juste qu'elle s'autorise à s'affirmer telle qu'elle est. Et c'est très bien comme ça. Et on va tout de suite lui attribuer une certaine force mentale. Exact. Je te rejoins sur... sur beaucoup de points, même d'ailleurs Kezia, parce qu'on part quand même du manque de confiance en soi. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment du mal avec le fait de faire une introspection aussi. Parce que c'est bien de se dire « je veux réussir », mais je crois que pour atteindre certains objectifs, il faut d'abord pouvoir se construire soi-même, pouvoir se découvrir, découvrir son identité. Et je crois qu'au fond, les gens ont peur de découvrir ce qu'ils sont réellement. Ils ont peur. Par exemple, le matin, quand on va dire à certaines personnes, eh ben, regarde-toi dans le miroir et affirme certaines choses. Tu as dit que l'affirmation était importante, n'est-ce pas? Donc, quand on va parler de cet exercice selon lequel il faut affirmer des paroles contraires à ce que l'on croit, d'accord? Mais les gens ont peur de le faire, par exemple, parce qu'ils ne réalisent pas en fait qui ils sont, ou au contraire, ils se disent, si je réalise vraiment qui je suis, peut-être que je peux avoir peur. Et c'est ce qui fait que les gens n'ont pas le mental adéquat à la réussite, finalement. Et même s'ils arrivaient à parvenir à un certain poste, il y a peu de chances qu'ils réussissent parce qu'ils n'ont pas le mental, justement, pour supporter les charges que requiert, justement, ce poste, par exemple. Et ça rejoint aussi ce qu'on se disait tout à l'heure, que pour atteindre une certaine vision, il faut une révélation. Et c'est ce que tu affirmes maintenant, c'est que quand on a la révélation de soi, la révélation de ce qu'on aime, la révélation de qui on est, c'est plus facile quand la vision va se présenter à toi, comme tu sais qui tu es, c'est plus facile d'accepter et au final, même si tu as des paroles négatives qui viennent ou quoi que ce soit, étant donné que la révélation est plus forte que ce qu'il y a autour, c'est plus facile pour attraper en fait et atteindre ta vision. Exact. Prenons l'exemple de Jésus. Il va à un moment donné demander aux disciples, qui dites-vous que je suis? Il y en a qui vont lui dire que tu es le roi des Juifs, tu es X, tu es Y, tu es de Ève, tu es de machin. Mais aucune des réponses, aussi fausses soient-elles, ne l'a offusqué. Parce qu'il savait qui il était. Il avait confiance en lui et le mental pour. Il était continuellement, le temps de son ministère, confronté à des oppositions, tout le temps. Mais lui, il avait pris le soin de se retirer à des moments pour avoir certainement ces temps d'intimité et méditation, tout de méditation avec le Seigneur. Mais ça, je pense que c'était aussi des moments d'introspection et de réflexion. Aujourd'hui, ce n'est pas important d'avoir confiance en soi ou d'avoir un mental fort. Ce qui est important, c'est d'être influent et d'avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on regarde ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? C'est quand tu as de l'argent, c'est quand tu es suivi, quand tu as une certaine influence sur les réseaux sociaux, c'est largement suffisant. Mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que malheureusement, parfois, c'est des personnes qui sont creuses, non pas parce qu'elles n'ont pas de dons, mais c'est parce qu'elles n'ont pas bâti la personne. Et du coup, que la mentalité peut s'effondrer pour un oui, pour un non. Mais d'ailleurs, on le voit en plus avec certains influenceurs. Aujourd'hui, comment ça se casse la figure, en fait? Parce que finalement, ils n'ont pas bâti, comme tu dis. Donc, tout de suite, ils sont devenus influents, mais en off, ça ne va pas du tout. C'est ça. Et puis, ils se filment en faisant des mental breakdowns. Donc, ils pleurent devant la caméra. Regardez, il y a eu ça et tout. Enfin, moi, déjà, je trouve que c'est...
Ça veut dire, en fait, c'est très farfelu, tu prends ta caméra, hein, moi, hein, mais... tu l'allumes et tu prépares tes pleurs. Voilà, ou bien pendant que tu pleurer. Pleures, tu allumes. Tu as une idée en mode, ah, et tiens, si je me filmais. Voilà, c'est ça. Ou alors tu veux peut-être t'admirer en train de pleurer pour voir si t'es beau, si t'es belle quand tu pleures. Waouh, mais non, attends d'abord. Moi, j'ai déjà fait ça, j'avoue, chez moi. Oui, mais chez toi. Quoi je ressemble quand je pleure. Mais oui, mais pour comme mais... ça, si tu es en public, tu pleures avec charisme. Non, mais en fait, de là à me filmer pour montrer que ouah, ça va mal et tout. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de dire ici que pleurer est un synonyme de faiblesse. Pas du on n'est pas du tout en train de dire ça. Mm. Hein, on se met bien d'accord. C'est juste que malheureusement, sous une certaine pression, tu peux être amené vraiment, comme je le disais, à avoir une chute totale au niveau du mental. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien parce que tu n'es pas assez préparé à la pression. Mm. Et plus tu montes, plus tu réussis, plus là-haut, il y a des pressions plus fortes qui t'attendent. Exact. Et tu dois être prêt. Et ce que tu dis, c'est super important parce que bah, je vais prendre un exemple d'un personnage qu'on connaît tous, c'est David. En fait, David, il a eu, si on regarde bien, il a eu un moment d'introspection qui a été super long. Il a combattu l'ours, il a combattu le lion. C'est-à-dire qu'à chaque fois même qu'il voulait sortir de ce moment d'introspection, on lui obligeait à retourner là-bas. Et moi, je pense qu'en réalité, bon, la Bible ne nous dit pas forcément ses pensées à ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est dit, comment il a su que bon, ça y est, c'est le moment. Mais il y a eu un moment où il est sorti. Et je pense que on voit que ces moments d'introspection, ce moment d'introspection-là, quand il est sorti, il y a eu la victoire, il y a eu la gloire. Mmh. Et quand il a été nommé roi et que bah, du coup il était entouré et tout le temps exposé, bah la chute elle était là. Et je pense qu'avec les influenceurs d'aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que comme on n'est pas préparé, comme certains ne sont pas préparés, ils ne prennent pas le temps de se dire bah il faut que je reste seul. Bah, quand il y a une situation compliquée qui arrive, bah, ils ont du mal à l'affronter. Et je pense que pour avoir un mental fort, il faut parfois aussi apprendre à se retirer. Apprendre, tout à l'heure, on parlait de rétrospection, de révélation, mais il faut aussi prendre du recul. Savoir se dire, bah, il est temps pour moi un peu de lâcher les réseaux. Il est temps pour moi un peu d'arrêter de demander à un tel bah, qu'est-ce que tu penses de ça ou qu'est-ce que tu penses de ça. Non, il faut apprendre parfois à se retrouver seul pour affronter les situations les plus difficiles, pour mieux réfléchir. Ok, donc comme vous l'aurez compris, Kezia vient de vous donner déjà une clé. Elle est très en avance. Mais gloire à Dieu, parce que justement, tu nous éclaires. Gloire à Dieu, merci beaucoup. J'essaye. Non mais si, et j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes concernant David parce que en réalité, moi quand je lis l'histoire de David, c'est parce qu'il sait qui est son Dieu qu'il va combattre. Donc il y a aussi cette histoire d'identité et de savoir en fait sur quoi est-ce qu'on se repose. Quelle est votre source en fait, sur quoi est-ce que vous prenez vos forces. Et j'ai envie de dire même à un autre niveau, quelles sont les choses avec lesquelles vous vous nourrissez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Donc tout ça aussi peuvent être des causes en fait pour ne pas avoir un mental fort parce que admettons tu veux réussir dans un domaine mais tu regardes seulement les gens qui ont échoué dans ce domaine. Mais attends, mais il y a des gens qui font ça, c'est pas équilibré. Alors ouais, c'est pour peut-être contourner ou tu vois c'est comme pour éviter de faire ce qu'il faut pas faire, bah, je vais regarder ce qu'il faut pas faire. Mais alors dans ce cas-là, c'est très intéressant. Mais si ton mental, il n'est pas fort et que tu regardes ça, ça va encore ouais, plus va te détruire. Ça va t'affecter, en fait. Exactement. Moi, je pense que pour faire ça, justement, il faut quand même avoir du caractère et une force, tu vois, il faut avoir une force quand même déjà qui va te permettre de dire, OK, je vais regarder ce qui n'a pas marché pour ne pas faire la même chose. Mais d'avance, si tu sais que... Parce qu'on se connaît, hein ? On se connaît quand même dans le secret. On sait que... Hein ? On va pas se mentir. Tu sais que ça, là, ce n'est pas mon niveau, je ne suis pas capable ou quoi. Donc, du coup... Il faut avoir l'honnêteté de se dire, OK, là, je vais regarder plutôt ce qui fonctionne avant d'aller regarder ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc je pense que chacun sait qu'il a une force de caractère ou pas. Pas besoin de le montrer devant tout le monde, hein, en one-one, comme ça, on sait. Il faut être honnête avec soi-même. Et il y a une des causes aussi, je crois, c'est aussi de ne pas savoir ce qu'on veut. Oui. Parce que vouloir réussir, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Bien sûr. Donc... Quand tu dis que tu veux réussir, en fait, tu veux faire quoi exactement? Dans quel domaine? Voilà, c'est ça. Et puis, tu veux réussir quoi dans ce domaine précis? Exact.
Parce que, je ne sais pas, on peut parler de la restauration, mais il y a plein de métiers dans la restauration. Exact. On va parler de la télé, il y a plein de métiers dans la télé. On va parler de la mode, il y a plein de métiers dans la mode. Mm-hmm. Enfin, voilà, chaque domaine a vraiment beaucoup de variétés, en fait, oui. à proposer. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Mais le fait de ne pas savoir ce qu'on veut, ben, c'est ça qui va un peu... Alors, pour poursuivre avec les raisons pour lesquelles les personnes peuvent ne pas avoir un mental fort, je pense que ça peut être aussi le fait de ne pas avoir envie, justement, de se fortifier. Parce que la force, c'est quelque chose qui se travaille. On est petit. Exact. On est sans force. Mais la force vient à grandir, à croître, parce qu'on est nourri. Yes. D'accord ? Et devenir fort, ça demande des efforts, en fait. On ne naît pas fort. Et après, nous, notre homme de Dieu, l'apôtre, nous enseigne souvent que Adam, ce qui n'a pas fonctionné... Je pensais à ça. Ah, je te l'ai pris. Tu me l'as piqué. Oh là là. C'est pour ça que je souriais, en fait, tu parce que je me disais, mais... Mais ce qu'on nous enseigne, en fait, c'est que ça n'a pas fonctionné avec Adam parce qu'il est déjà grand. Voilà. Il est né, c'était déjà un adulte. Et puis, du coup, il n'a pas eu le processus. Et souvent, on néglige le processus-là parce qu'on sait que ça fait mal, on sait que c'est compliqué. On parlait du sport tout à l'heure. Aller à la salle et soulever tes 5 petits kilos. Là, au début, ton bras, il tremble comme ça parce que c'est trop lourd. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte, après sueur et peut-être larmes, que 5 kilos, tu peux. Et donc, parce que tu peux 5, tu peux passer à 7. Et ainsi de suite. Donc, parfois, les personnes n'ont pas envie de souffrir pour devenir fort ou pour avoir un mental fort. Vous voyez, c'est comme ces films de karaté ou ces films chinois sur le kung-fu ou d'autres arts martiaux. Où l'aspirant commence tout en bas et il a une série d'exercices qu'il doit faire. Et on le voit dans les chutes, les cascades, l'eau froide, et il doit rester concentré. En fait, tout ça, c'est pour bâtir le mental. Mais bâtir quelque chose, ça demande des efforts. Et on ne peut pas être fort sans effort. Ah, le processus. Ouais, c'est quelque chose. Et justement, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que on voit que très souvent, j'aimerais apporter un éclaircissement à ce que tu as dit pour les personnes, par exemple, qui sont dans cette situation actuellement où tu as envie, mais tu n'arrives pas. À chaque fois, tu veux, mais tu n'arrives pas. Il faut savoir aussi s'entourer des personnes qui ont ce mental-là. Tout à l'heure, tu disais que très souvent, quand tu veux te lancer dans un domaine, tu vas regarder les personnes qui ont échoué dans ce domaine. Mais justement, rapproche-toi des personnes qui ont réussi dans ce domaine. Il y a des personnes qui nous inspirent et Dieu a permis à ce qu'on puisse être aussi entouré de certaines personnes qui ont la force. Et la Bible nous dit que les forts soutiennent les faibles. Amen. Et quand tu sais que tu es faible par rapport à quelque chose, il faut savoir aller frapper aux bonnes portes. Et on en parlera tout à l'heure, mais avoir des personnes qui ont la capacité de te dire ce que tu traverses aujourd'hui, il y a une raison, ou arrête de te morfondre. C'est des personnes comme ça qui nous faut dans notre entourage, en fait. C'est des personnes qui te disent, mais tu es capable de le faire. Parce que je pense que pour nous-mêmes nous dire que oui, je suis capable de le faire, c'est bien parfois de l'entendre que non, tu es capable de le faire. Tu l'as fait, tu es capable. Et donc, du coup, quand tu entends quelqu'un te dire que tu es capable, toi-même, ça te fortifie, en fait. Ouais. Et tu commences à toi-même à le proclamer, à dire. À dire ces paroles sur ta vie. C'est comme, je donne un petit exemple, souvent quand un petit garçon pleure, on lui dit les garçons ça pleure pas. Wow. Les garçons ça pleure pas. Les garçons ça pleure pas. Et donc du coup il grandit tellement avec cette idée dans la tête que certaines fois pour voir un homme pleurer, c'est soit que le Saint-Esprit l'a touché, soit qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Mais je pense que le fait de s'entourer de personnes qui ont un mental fort, ça te permet toi-même d'être fort. Et à force aussi de lire la parole de Dieu, tu deviens aussi forte et parce que Dieu t'a déjà révélé qui tu étais. Et Dieu même dans sa parole nous fortifie à chaque fois, tout le temps. Amen. Et tout à l'heure, on parlait de Josué. Et justement, Dieu nous fortifie lui-même.
C'est important de le spécifier. Pour ça, il faut aimer la vérité. Hein. Aussi. Non, mais c'est vrai, il faut aimer la vérité parce que si tu dois t'entourer de personnes qui seront capables de te dire écoute, là, tu as mal fait, il faut, c'est-à-dire, il faut aimer la vérité, il faut aimer l'honnêteté. Et bon, après, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de personne, j'ai envie de dire, en tant que telle autour d'elle. Et c'est pour ça que je vais te parler d'Évangile TV, en fait. Mais c'est vrai, Évangile TV annonce la vérité. On évoque tellement de sujets sur la chaîne. Voilà, si tu n'as personne autour de toi qui peut te dire les vraies choses sur Évangile TV, tu vas trouver plein d'émissions où on évoque vraiment plein de sujets, mais vraiment, on parle même des sujets de société, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, donc à la lumière de la vérité, n'est-ce pas? Voilà, donc nous t'invitons, si tu le souhaites, à nous soutenir, parce que la chaîne voilà, vit des dons, de votre soutien, et voilà, il y aura le PayPal qui va défiler juste en bas de l'écran. Donc, si le cœur t'en dit, si tu es béni par cette émission et par toutes les autres que tu as pu voir et par toutes celles que tu verras, même d'ailleurs, j'ai envie de le dire, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Ok. Merci, Kezia, pour ce que tu viens de dire par rapport justement aux personnes qui ont besoin d'être bien entourées. Et j'aimerais aussi qu'on parle des personnes qui n'admettent pas justement qu'elles n'ont pas un mental assez fort. C'est-à-dire, elles sont dans une situation, ok, mais elles vont persister dans cette situation en se disant, par exemple, bon, ok, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, mais ça va aller, l'Éternel est ma force. Vous voyez ce genre de personnes, mais qui en attendant ne posent pas d'action pour aller plus loin. Voilà, c'est un peu, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je pense que c'est juste, malheureusement, une falsification de la force mentale. Le Seigneur, certes, nous amène parfois à endurer dans l'épreuve. Il va d'ailleurs nous dire, ne pouvez-vous pas supporter quelques injustices? D'accord? Maintenant, ce que le Seigneur ne veut pas pour ses enfants chéris qu'il aime de tout son cœur et inconditionnellement, c'est qu'elles pourrissent dans une situation dans laquelle elles ne doivent pas demeurer. Et tu l'as bien dit, ça peut être le cas où d'une extrême pauvreté, vraiment, et tu te dis que tu ne vas pas demander de l'aide autour de toi parce que l'Éternel est ton berger, que tu manqueras de rien, alors que ce berger-là peut passer par ton voisin, ta voisine, ton frère, ta sœur, pour te bénir. Ça peut être un cas où tu cherches du travail et tu penses que c'est les anges de Dieu qui vont t'apporter le contrat, il t'aura juste à signer avec une plume d'oiseau, tu vois, alors qu'il faut juste que tu envoies ton CV sur LinkedIn. Par exemple. Okay. Ça peut être d'autres cas, mais ça encore, c'est un peu délicat. Tu es dans une relation toxique, qu'elle soit amicale, familiale ou d'ordre sentimental. Et tu penses que tu dois alimenter toujours cette relation parce que c'est X, Y que tu aimes beaucoup. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu coupes les ponts. Donc, en fait, voilà, tout ça pour parler de ces falsifications de la force mentale. Endurer et souffrir ad vitam aeternam, ce n'est pas de la force mentale. Exactement. D'accord ? C'est de la torture. Oh yes. Et Dieu ne veut pas que nous soyons torturés par nos situations. Il veut qu'on domine dessus. Amen. Parce qu'il va dire dans Genèse 1 au verset 28, dominer lorsqu'il parle à Adam et Ève. Amen. Donc le problème, ce n'est pas forcément de se retrouver dans une situation compliquée, mais c'est de savoir comment, par le Saint-Esprit, tu prends le lead sur la situation, bien qu'elle soit compliquée. La force mentale, ce n'est pas forcément agir avec force, bien que parfois il faut poser des actions, mais parfois tu dois faire preuve d'un calme olympien pour un peu déstabiliser la situation. Rappelons-nous que Jésus, en fait, il dormait dans la barque et que si les disciples n'avaient pas pleuré, n'avaient pas crié au secours, eh ben, il ne se serait pas réveillé. Il aurait continué à dormir. Donc la force mentale n'est pas toujours la représentation d'une action dans le monde physique. Ça peut au contraire s'exprimer par un calme que tu manifestes, quelle que soit la situation que tu as. Et je ne veux pas monopoliser toute la parole, mais je veux quand même vous amener à réaliser l'importance de Dieu et de la révélation de Christ dans la vie de quelqu'un. Amen. Dans Josué 1 au verset 8, le Seigneur va lui dire « Fortifie-toi et prends courage. »
Donc c'est la responsabilité de Josué de se fortifier. Mais Philippiens 4 au verset 13 va nous dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc Amen. Lorsque tu as Christ en toi, le Saint-Esprit lui-même se charge de t'injecter en fait la force qui va t'amener à te fortifier. Amen. On a cette onction intérieure qui nous auto-régénère, qui auto-régénère nos forces. C'est pourquoi c'est important, lorsque l'on parle de mental ici, on n'est pas en train de vous parler de New Age ou de, je ne sais pas, énergie positive, de Miracle Morning, bien que ça fonctionne. Mm. On est juste en train de vous dire que le Seigneur lui-même est intéressé par notre mental et par notre force morale. Et ça s'explique bien par les versets que je viens de vous citer. Amen. Waouh. Merci Daphné pour cette exhortation. Le français a été français ou pas ? Oh, très français. Molière. Non, Molière, il reste là-bas, on le laisse. Et donc elle vient de vous donner une clé, les gars. Avec tout ça, là, franchement, vous avez plus de clés que Passepartout. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Lui-même, il n'avait pas des vraies clés. Autant d'émissions, il n'avait pas les vraies clés. Et moi, j'avais une question à vous poser, les filles. Est-ce que vous avez justement déjà vécu une situation où votre mental était au plus bas ? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait pour sortir justement de cette situation ? Quelles sont peut-être les actions que vous avez eues à poser ou... Je pense qu'on a tous déjà vécu des situations qui ont été très difficiles. Mm. Moi, j'en ai eu pas mal, quand même. Personne ne peut dire de toute façon que j'en ai jamais eu. Mais effectivement, oui, j'ai déjà eu à traverser des situations assez compliquées. Et ce qui m'a sauvée, c'est les clés qu'on a données aujourd'hui. C'était vraiment... Je pense que dans un premier temps, l'erreur que je faisais, c'est que je demandais toujours l'avis aux gens. Oui, mais toi, tu penses quoi ? Oui, mais toi, tu penses quoi ? Oui, mais toi, tu penses quoi ? La deuxième erreur, c'était que je me lamentais toujours sur mon sort. C'est-à-dire, la deuxième question que tu nous as posée, de savoir, en fait, tu es dans une situation qui est difficile, mais au lieu d'agir, tu décides de te lamenter et de ne rien faire. Et je pense que les trois clés qui ont été vraiment très importantes pour moi, ça a été de m'entourer de personnes, dans ma famille, dans mon entourage, par la grâce de Dieu. J'ai des personnes qui m'ont toujours... qui m'ont toujours fait savoir que je n'avais pas à me lamenter sur ma situation, que la situation était peut-être compliquée maintenant, mais que je ne connaissais pas demain. Et la Bible nous dit que, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le lendemain va s'inquiéter pour lui-même, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait vivre, en sachant que, comme tu as dit, en fait, Dieu fait tout. Dieu nous a déjà tout donné, en fait, et c'est à nous de réfléchir, en fait, comme lui veut qu'on réfléchisse. Amen. Et je pense que, premièrement, c'était les gens autour de moi, les personnes que Dieu a inspirées, les personnes que Dieu a utilisées pour m'aider. Mais ça a été aussi beaucoup le fait de... Et malheureusement, on me l'a beaucoup reproché, mais le fait de prendre du recul. C'est-à-ire, pendant un moment, Kézia, elle n'est plus là. Vous la voyez plus. Tu t'arrêtes et tu prends un temps pour toi. Vous la voyez plus. Même quand on m'appelle, malheureusement, je ne réponds pas. Mais c'est parce que j'ai besoin de temps. Et c'est vrai que ce temps-là, je profitais en fait pour le passer avec Dieu. Amen. Lui dire... Hey papa, franchement, si tu m'aides pas, je vais rester là toute la journée. Je bouge plus. C'est vraiment en fait pour lui montrer que je suis consciente que je n'ai que lui. En fait. Amen. C'est j'ai changé du tout au tout entre la Kézia qui et la Kézia qui en fait c'était plus les gens qui m'appelaient pour me demander ouais mais ça va, il se passe quoi ou quoi. En fait, j'avais plus cette habitude là. D'aller vers Dieu. Amen. D'aller vers Dieu, de lui exposer la situation et en fait de lui demander de se révéler à moi et surtout de m'aider. Et c'est pour ça que je rejoins Daphné sur ce qu'elle a dit. En fait, dans toute situation où notre mental, pardon, il est mis à l'épreuve, il est éprouvé, en fait, la première clé, c'est Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, la première clé, c'est Dieu. Il sait ce qui t'arrive. Mais à partir du moment où tu le prends comme un meilleur ami, où tu lui dis, voilà, regarde la situation qui m'arrive, eh ben automatiquement, même toi, ta manière de... Moi, ça m'est déjà arrivé en priant, ma manière de raconter l'histoire à Dieu, je trouve la solution. Et je me dis, c'était inné. Déjà, en fait, pendant que tu parles, le Saint-Esprit aussi te parle et il t'inspire. C'est exactement il ça. Il prend plaisir à la conversation. Donc, en fait, Dieu est bavard. Donc pendant que tu parles, il me dit « Ah ouais, tout !» C'est exactement ça. Mais c'est voilà. ça.
Donc voilà, pour ma part, en tout cas, c'est ça. Après, une histoire en particulier, si je devrais en prendre une, sans rentrer dans les détails, dernièrement, j'ai rencontré une situation qui était assez compliquée et qui touchait un peu l'aspect familial et professionnel. Mmh. Et donc, j'étais très, 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 très dépourvue. J'ai perdu du poids, beaucoup de poids. Mais bon, là, j'ai repris un peu. Un peu beaucoup, mais... Tu es bien. Voilà, j'ai repris un peu beaucoup. Et donc, je me souviens que je me lamentais beaucoup sur mon sort. Et en fait, j'ai une grande sœur, ma grande sœur, Kathleen, qui est très... en fait, elle nous aime, parce que c'est un peu comme... et j'ai un peu émue d'ailleurs quand je parle d'elle, parce que c'est un peu comme une deuxième maman. Ça a toujours été comme une deuxième maman. Elle a toujours été là pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Après, à toi de faire ton choix. Mais quand tu te lamentes, elle a une manière de te reprendre en mode... Avec amour. Avec amour, mais un peu en mode réveille-toi. Reste pas comme t'es là, ça te va pas. Enfin, elle a une manière de parler qui fait que tu te dis, bon, bah ouais, je vais lire ma Bible. Je te rappelle, je vais ouvrir ma Bible. C'est un peu... Elle te fait te remettre en question, en fait. Exactement. Ou en fait, elle te rappelle, par rapport à ton problème, tout ce que tu as déjà. Tu ne peux pas te lamenter pour un problème qui est petit par rapport à toutes les grandes choses que tu as déjà. Amen. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir des personnes qui ont un très fort et grand mental. Voilà. Amen. Ah, merci pour ton témoignage, Kezia. De rien. Alors, moi, je suis très contente d'avoir ce genre de témoignage-là. On ne manque jamais assez d'honorer les personnes qui nous entourent. Et lorsque l'on les a, c'est vraiment très précieux. Et mon témoignage va peut-être parler à ceux qui n'ont pas. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas eu. Mais vous savez, des fois, vous devez être votre propre coach. C'est ça. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, je m'encourageais toute seule. J'ai appris à le faire. Alors moi, c'est plus... Je prends l'exemple vraiment dans le cadre sportif, parce que j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau. Et du coup, j'étais très compétitive. Voilà. Et je me rappelle qu'avant mes compétitions, je priais toujours. Je priais, je disais, Seigneur, je vais réussir. Tu es là, ta grâce, tu vas m'aider à faire les choses parfaitement. Mais je ne gagnais pas. D'accord ? Donc, waouh, oui, c'est bien, je priais, mais je ne gagnais pas. Je ne gagnais pas. C'est pourquoi ? Ça, ça parce que... pas, ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, dès que la compétition commençait, je perdais mes propres moyens. D'accord. Pourtant, j'avais prié. Oui. Vous voyez, j'avais prié, mais ça ne marchait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, Daphné, arrête un peu, commence à visualiser et à réfléchir. Et en fait, je m'imaginais en train de faire la chose parfaitement. J'étais extrêmement focus et extrêmement concentrée. Et avant de commencer, avant d'entrer sur le praticable, parce que moi je faisais de la gym, je me disais à haute voix, allez Daphné, vas-y Daphné. Waouh. Tu vois ça. Et je m'encourageais toute seule. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Même quand je vais au sport et que je vais à la salle, je suis fatiguée. Je me dis, allez, toute seule et tout. J'ai l'air peut-être un peu illuminée là-haut, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien. Mais je m'encourage en fait. Et je voudrais faire l'analogie avec. D'ailleurs, voilà pour l'anecdote. Lorsque j'ai gagné le championnat de France. Ok, wow. Donc. Yeah. Bravo, mais Daphné. Bref, c'est pas ça. Je voulais juste vraiment parler de la méthode. Et d'ailleurs, nous pouvons retrouver ça dans la parole de Dieu avec David et Goliath. Donc, vous connaissez David, Goliath, énorme méchant. C'est vraiment le boss, là. Le stage du boss, tu vois, qui est là et qui, pendant plusieurs jours, est en train d'intimider l'armée d'Israël en leur disant qu'ils sont nuls, que leur Dieu est nul et machin. Mais David s'est encouragé lui-même. Au moment où il y va, il dit, mais je vais faire de ce monsieur-là la risée de son club. Je vais le terminer. Je vais vraiment le dégommer. Il l'a dit et il l'a proclamé. Et en fait, il s'est encouragé. Yes. Donc, je peux dire cette simple chose. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ok, tu peux t'encourager et tes propres encouragements peuvent te faire réussir. Yes. Si autour de toi, tu as des personnes qui peuvent t'aider, mais c'est génial, gloire à Dieu. Mais en plus de ça, sois ton,
Sois ton premier sponsor. C'est ça. Amen. Sois ton premier sponsor parce que ça, ça va formater ta mentalité. Ce que ton propre corps écoute, il l'emmagasine. Ce que ton propre corps entend, et même quand c'est ta voix, ça a de l'impact sur ta manière de penser, sur la manière aussi dont ton corps va se comporter et réagir. Lorsque tu t'encourages, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus de crise de panique, plus de crise de stress, plus de crise d'angoisse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, c'est les réactions corporelles qui t'effraient et qui te disent « Mais oh, comment gérer ça, en fait ?» Parce que ça se passe à l'intérieur de soi. Mais c'est ça, et ce que tu dis, c'est très important, parce que aujourd'hui, même les gens sont malades. D'accord, les gens vont avoir des maladies comme ça parce qu'ils se rendent malades eux-mêmes. Exact. Parce qu'ils ne savent pas s'encourager eux-mêmes, s'auto-encourager. Ils ne parlent pas, en fait, ou ce qu'ils vont dire, c'est plutôt négatif. C'est ça. Alors que quand tu parles à ton corps, quand tu te dis « Ok, aujourd'hui, je suis en bonne santé, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, mes os sont en bonne santé, mon sang est... » Enfin, quand tu proclames ce genre de paroles, ton corps entend et réagit en fonction de ce qu'il entend. Tout entend. Et j'avais suivi le reportage d'une femme qui était atteinte d'un cancer. Excuse-moi Daphné, je vais juste nuancer. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous soigner, les amis. Non, mais non, soyons équilibrés. On vous connaît. On se connaît. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner, qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Okay. Mais même pendant qu'on suit un traitement, il faut aussi déclarer des paroles sur son corps. Okay. Et même si on a la foi, elle a plusieurs niveaux, elle a plusieurs paliers. Donc, on peut ne pas encore avoir une foi suffisante pour guérir là, tout de suite, tout seul. Okay. Donc, on peut déclarer des paroles et prenez vos traitements, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire... voilà, je voulais juste rééquilibrer les choses. Mais quand tout va bien, pensez à déclarer la parole. Pensez à dire des choses bien, des choses véridiques, des choses même si vous ne les voyez pas. Enfin, dites, parlez à votre corps, il vous entend. Non, parlez à la situation, elle vous entend. Et tu fais très bien d'apporter cette nuance-là. Parce que justement, j'avais suivi le témoignage d'une femme qui n'était même pas chrétienne, qui n'avait pas le Saint-Esprit. Et qui croyait même pas en Dieu. Mais elle était atteinte d'un cancer qui était agressif. Et elle a dit, ce cancer, je le refuse. Je n'en veux pas dans ma vie. Et il va partir. Et cette femme n'a pas arrêté de déclarer. Elle déclarait tout le temps, je vais m'en sortir. Je vais réussir. Cette femme, elle a réussi. Amen. Ce sont des principes, en fait, que Dieu met en place, qui met à disposition de qui veut bien les mettre en application pour vivre une vie épanouie et pour réussir. Il y a plusieurs niveaux de réussite. On peut parler de réussite professionnelle parce que tu deviens le top de ta société, parce que tu crées une société, tu es chef d'entreprise comme toi, Kezia. Ça peut être une réussite parce que tu es une bonne mère ou un bon père de famille. Exact. Ça peut être une réussite parce que tu as réussi à vaincre une maladie qui te dérange depuis un certain temps. Et malgré le traitement, tu vois que ça traîne. Il y a plusieurs niveaux de réussite. On ne parle pas d'une réussite en particulier, en fait. Merci de l'avoir souligné. Merci de l'avoir souligné parce que parfois, les gens ne savent pas réaliser ce qu'ils ont. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils ont, c'est déjà beaucoup et que c'est même une base pour multiplier quelque chose, en fait. Et on a tendance, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les filles, à vouloir reproduire ce que les autres font, à vouloir se calquer sur les autres personnes, alors que, je ne sais pas, je prends l'exemple de personnes qui ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Voilà, donc pourquoi ne pas déjà dire merci pour les enfants que j'ai ? Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont de l'argent et n'ont pas d'enfants, d'autres n'ont pas d'argent mais ils ont des enfants. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se calquer sur les autres pour réussir sa vie. On peut s'inspirer, mais pas copier. Ça, je le dis tout le temps. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit quand tu as fait ta nuance sur en fait, le fait de déclarer, comme Daphné a dit, et de ne rien voir. Souvent, je pense que... Parce que moi, j'ai toujours vu Dieu un peu comme quelqu'un qui teste un peu. Ouais, ok. Il connaît ton cœur, mais il veut voir jusqu'à où tu as ce mental, en fait. Et j'aimerais donner un rapide témoignage. L'histoire de ma mère. Elle est rentrée dans le mariage. Au moment d'avoir des enfants, elle n'a pas pu en avoir. Les médecins lui ont dit, écoutez, madame, vous n'allez jamais avoir d'enfants, ce n'est pas possible. Voilà, donc elle va voir mon père et elle lui dit, bon, écoute, on va te rendre l'argent de la dot parce que voilà, moi, je ne pourrai jamais te donner d'enfants. Et voilà, donc... Et mon père qui lui dit, non, t'inquiète. Mais mon père, à cette époque, il ne priait pas vraiment.
non, t'inquiète, on aura des enfants, t'en fais pas, on n'écoute pas ce que les médecins ont dit, mais on aura des enfants. Mmh. Et ma mère, grâce à Dieu, elle commence à vraiment beaucoup prier, entrer dans la prière, elle prie. Et elle nous raconte souvent cette histoire où elle nous disait que quand mon père partait au travail, à partir du moment où mon père partait au travail, elle entrait dans la salle de bain, c'était son lieu à elle où elle priait, et elle priait, et elle disait « Amen » qu'au moment où mon père disait « Chérie, je suis rentrée ». Donc, je vous laisse imaginer le temps qu'elle passait à prier. Le temps qu'elle passait à prier. Et donc, du coup, un jour, elle se sent pas très bien. Elle dit « Bon, je vais aller voir le médecin pour voir un peu ce qu'il en est ». Elle nous raconte souvent que en fait c'était une dame qui était en train de parler avec une autre dame en lui disant moi j'arrivais pas à avoir d'enfant, il y a tel médecin qui m'a aidée. Donc du coup, par curiosité, elle a dit oui, est-ce que je pourrais avoir la carte? Elle a pris la carte, elle a encore prié dessus, et elle en a parlé à mon père. Il s'est dit oh là là, on va aller voir le médecin, il va encore lui dire que c'est pas possible, elle va encore pleurer, etc. Et quand elle était vraiment dans ce processus-là, en fait, de garder en fait la foi et de déclarer aussi sur elle-même. Et elle arrive, et quand elle arrive, le médecin lui dit « Bon, madame, allongez-vous, voilà, etc. » Et elle dit « Bon, madame, rhabillez-vous. »« Oui, mais vous ne m'avez même pas. »« Madame, rhabillez-vous, allez à l'accueil et demandez à ce qu'on vous rembourse. Oh, »« Monsieur, mon cas, il est si désespéré à ce point. »« Non, vous êtes déjà enceinte de 3 mois. » Wow. Donc ça veut dire que ma mère passait son temps à prier, mais elle était déjà, en fait, elle avait déjà ce mental-là de se dire, peu importe ce que les médecins ont dit. En fait, je pense que une fois que mon père lui avait déclaré ça, s'est dit bon, ok, je vais rester là et je vais. Et en fait, mes sœurs et moi, on est nés toutes un an. Et vous êtes combien d'enfants? On est 4. Une femme vigoureuse et fertile comme ça. Oh là là. On est 4. Donc, et on a toutes un an de différence, en fait. Et Dieu l'a bien béni. Et je pense que, justement, même quand... Et entre-temps, ma mère a vu d'autres médecins qui lui ont dit que ce n'était pas possible aussi. Mais justement, le fait de... Même quand la situation est négative, le fait de déclarer... Ça change quelque chose. Et parfois même, on a notre bénédiction bien avant de s'en rendre compte. C'est ça. Donc, c'était pour juste témoigner rapidement par rapport à ce que tu as dit. J'aime trop le témoignage de Kezia. J'aime trop ton témoignage. Parce que, et c'est fou parce que ton papa, qui du coup, lui, il ne prie pas forcément, il lui dit « Non, mais t'inquiète ». En fait, il a déclenché la foi dans le cœur de ta maman. Exactement. Avec juste cette parole-là. Exactement. Et elle a fait tout le reste. Exactement. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que parfois, on nous donne des clés, on nous donne des outils, mais il faut les utiliser et continuer. Il ne faut pas s'attendre à ce que la personne qui t'ait donné une clé ou un outil, maintenant qu'elle fasse le travail à ta place. En fait, c'est ça. Mm-hmm. Donc, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui. Oui. On a dit que, en tout cas, la première clé, c'était Dieu. Mm-hmm. Okay. C'est sûr. Ça, c'est inévitable. C'est notre force, c'est notre source. Moi, je crois que, à un moment donné, quand on se retire et qu'on se concentre vraiment sur qui on est, mais Dieu nous révèle les choses, en fait. Exactement. Et c'est à partir de la révélation du Seigneur qu'on va aussi se lever et poser les actions adéquates. Mmh. On a parlé aussi du fait de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Oui. Il faut savoir ce que vous voulez faire dans la vie, les amis. Mmh. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, posez la question à Dieu. Seigneur, quels sont les projets que tu as mis dans mon cœur et que je ne vois pas, par exemple? Parce que le Seigneur parle beaucoup. C'est ça. Il parle beaucoup, mais c'est nous qui... on ne prend pas... on n'est pas attentif à sa voix. On a parlé encore de quoi comme clé, à part Dieu, le fait de savoir où est-ce qu'on va. On a parlé aussi du fait de s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. On a parlé de déclarer, de s'affirmer. Oh yes, oh merci, mes penses bêtes. Donc c'est une liste non exhaustive, mais la première des choses, la première des clés, c'est vraiment le Seigneur. Très rapidement, moi aussi, j'ai eu à vivre vraiment pas mal de situations comme ça. Et je ne m'en remettais pas forcément à Dieu parce qu'on me dit toujours, mais toi, tu es forte et tout. Donc, moi, j'ai pris ça comme acquis. Ouais, je suis forte, donc je vais y arriver, etc. Mais à un moment donné, où t'es essoufflé. T'es essoufflé parce que du coup, tu te fais confiance à toi alors qu'il y a Dieu, en fait. Et je me suis arrêtée un jour comme ça et j'ai dit non. Dieu existe. Dieu est là. Moi, je ne peux pas avoir une vie médiocre.
Et quand je parle de vie médiocre, je mangeais à ma faim, je buvais à ma soif, j'avais un toit, enfin, j'étais toujours bien habillée. Hein. Quand je parle d'une vie médiocre, c'est une vie où je m'essouffle, en fait. C'est ça. Et je me suis dit, non, en fait, Dieu ne peut pas exister. Et moi, je vis une vie où je suis fatiguée comme ça, fatiguée par les soucis, par les problèmes, etc. Et là, je me suis dit, bah, écoute, je vais prendre 40 jours de jeûne. Je n'avais jamais jeûné de toute ma vie, hein, je vous raconte. J'aime trop manger. Donc vraiment, juste le fait de jeûner, franchement, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Quand mes copines faisaient le ramadan, je leur disais, bon ramadan. Et voilà quoi. Non, mais c'est vrai. Mais moi, jeûner comme... Non. Donc je me suis dit, non, en fait, je sentais en fait au-dedans de moi. C'est-à-dire, il faut être honnête avec soi-même. C'est ce que je dis, il faut être honnête avec soi-même. Dieu nous parle. Et en réalité, quand ce truc-là, dans le ventre-là, qui nous dit, fais ou ne fais pas, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Et là, je sentais vraiment que le Seigneur, bah, il m'appelait. Et j'ai décidé de jeûner pendant 40 jours pour me rapprocher de lui. Et ma seule prière, c'est mon seul sujet. Non, j'en avais deux. C'est d'avoir un bon stage de fin d'études. Et c'était aussi de connaître le Seigneur. Et après, j'ai commencé à lui demander de me rapprocher des personnes qui pouvaient davantage m'emmener vers lui, m'apprendre la parole. J'ai prié pour avoir des bons bergers. Et franchement, j'ai été bien récompensée. Il a vraiment répondu à cet appel. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bah, par sa grâce, bah, je vous parle. Bah oui. Amen. Donc voilà. Et comme d'habitude, l'émission est déjà finie. Comme d'hab, ça finit sur nous comme ça. Hein? J'ai dit comme d'habitude, ça finit sur nous comme ça. Voilà, ça finit comme ça sur nous, comme tu dis. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien pris note. Et si jamais vous ne connaissez pas encore le Seigneur, bah écoutez, sachez qu'il est là pour vous, il vous aime. Si vous nous voyez ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le fruit de la révélation de Dieu, tout simplement. Amen, c'est ça. Et voilà, bah, comme d'habitude, l'émission est déjà finie. Nous vous remercions de nous avoir regardés, chers téléspectateurs. Je remercie chaque chroniqueuse qui était sur ce plateau. Merci beaucoup, Kezia. Merci à toi. Merci pour les clés que tu nous as apportées. Ce fut un honneur de t'avoir une fois de plus sur le plateau. Et tu es la bienvenue pour les prochaines émissions. Merci beaucoup. Et merci à toi, Daphné. Merci de nous avoir davantage éclairés. Merci pour les versets bibliques. J'espère que vous avez noté. Au pire des cas, vous rembobinez. On dit encore rembobiner. Non, mettez en arrière. Voilà, s'il te plaît, oui. Quand même. Merci aux équipes qui sont derrière les caméras une fois de plus. Merci une fois encore à l'apôtre. Nous remercions Pasteur Paulette, nous remercions Ministre Sabrina, nous remercions Pasteur Grasse. Et encore une fois, merci à vous, chers téléspectateurs. Et nous vous disons ciao, bye bye, à bientôt. À bientôt.